Voilà, Contact des Fins sur vidéo et on est le 15 parti. Donc si tu m'entends gribouiller, c'est normal. Je me reconnecte et puis je te raconte un petit peu tout ce que j'ai eu avant. D'accord. Donne-moi un truc pour poser le téléphone d'abord. Bon, c'est ok. Alors, donc j'ai bien ta maman et en fait les infos que j'ai eues avant, c'est que j'ai pas mal d'autres personnes qui viennent aussi. Alors, j'ai un petit peu de tout âge, hein. C'est-à-dire que, alors elle me montre que en gros si tu veux, enfin elle m'a montré. Alors attends parce que j'ai des infos en plus, ça c'est cool. Ouais. Alors, en gros, du coup, elle m'a montré qu'il y a plusieurs personnes du coup qui sont venues la chercher, tu vois, quand elle est passée de l'autre côté. Je sais pas si t'as perdu ton papa, mais j'avais cette notion-là, tu vois, comme si ton papa était venu la chercher. Donc c'est en fait simplement ton papa qui lui a tendu la main, du coup, pour venir la chercher. Et arrivé en fait de l'autre côté, j'avais trois personnes qui l'attendaient, c'était trois figures féminines. J'avais pour moi une grand-mère, et j'avais la notion de tante, alors c'est peut-être sa sœur. Et alors attends, que je me remémore, grand-mère, Sa cousine peut-être. grand-mère. Peut-être une tante pour toi, donc je sais pas trop, peut-être sa cousine. Ouais. Et j'avais une petite fille aussi également. J'avais trois figures féminines, donc petite fille, tante pour toi et ta grand-mère. C'est ma fille. La petite fille, c'est ta fille? Ok. Un bébé. Oui, c'est un bébé, hein, c'est une petite fille. Ouais, donc avec ma fille. Ok, donc il y a la fille, cette dame, la grand-mère et ton papa du coup. Ok? D'accord. Voilà les infos un petit peu que j'avais eues. Donc c'est cool. Et déjà, elle montre qu'elle a retrouvé du monde. Ouh, c'est un départ récent, elle est partie il y a combien de temps? Y a 6 mois. Ah oui. Oui, ok. Et Quand on... elle a suivi mon père un an à peu près après. Ah, ouais, c'est rapproché. Mais on me parlait bien aussi, c'est ça. On me parlait bien aussi de séries de décès, tu vois. On parle là pendant J'ai perdu ces. Peut-être trois personnes d'un coup. c'est. Ouais, tu vois, j'avais chiffre 3, donc j'étais parti sur 3 ans aussi, donc je sais pas. Ok. Ouais. Ouais, puis quand on parle de décès récents, en général, on va en dessous de 2 ans. Général, à peu près. Allez. Ah ben. Alors, donc là j'ai bien ta maman qui s'avance, ça c'est cool. Bah écoute, pour un départ de 6 mois, elle se débrouille plutôt pas mal, Ça a toujours été une hein. battante. Ouais, non, elle avance bien, elle se débrouille bien au niveau de son évolution. Bon, à force, tu sais, j'arrive un petit peu à déterminer, même si c'est complètement aléatoire. J'aurais donné un départ de justement un peu moins de 2 ans. Donc, tu vois, elle a de l'avance, c'est bien. Alors, tu fais? Ouais, donc elle dit qu'il ne faut pas s'inquiéter pour elle. Alors, depuis qu'elle est arrivée, elle n'a pas touché ses cheveux, donc il doit y avoir quelque chose avec ses cheveux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était coiffeuse ou tu vois? J'ai cette Non, mais notion-là, là. elle aimait bien s'occuper d'elle, ses cheveux, faire Depuis ses tout mèches à l'heure, tu blondes, vois, tout elle a ça. pas. Oui, donc c'est peut-être souvent. Peut-être qu'elle allait souvent au coiffeur, ça c'est possible aussi. Ouais. Les cheveux, enfin, voilà, on aime bien prendre soin de soi. Oui.
le sourire, donc ça c'est bon signe aussi. Non, mais ça va. Le principal. David, ça donne quelque chose? C'est mon frère, il est à côté de moi. Génial, du coup les deux enfants sont là. Ouais, il est là à côté de moi. Salut! C'est David. Salut! Quand il y a, maman est décédée, j'ai dû le reprendre à la maison. Ok. Donc là, elle vient, j'entends le prénom de David. Elle parle tout. Ça m'étonne pas. Le frère. Alors j'essaie de comprendre. Elle dit qu'il faut qu'il reste comme il est, Ouais. qu'il ne perde pas de vue un petit peu ses intentions et ses passions, elle me dit, ses passions, qu'elle ne perde pas de vue ça, parce que justement ça détermine qui il est. Ok. Elle est très fière de ses enfants. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Alors là, j'entends des bruits de moteur. Alors en général, c'est pas des bruits de moto, ça. Ça, c'est des bruits de voiture, il me semblerait. Quelqu'un qui aime les voitures, mais ça me fait penser, tu sais, un peu. Bon, c'est mon interprétation, hein, mais ça me fait penser aux voitures tuning, tu sais. Quelqu'un qui aime ça. Bon, après, je sais que j'adore les Ah, BM, j'allais dire, ça me fait penser aux voitures allemandes, tu vois. Donc, bon. Ouais, je elle pense sait que qu'on est j'adore là-dessus. ça. Mais Ouais. comme j'ai cassé ma voiture 2 semaines après qu'elle soit partie, peut-être qu'elle parle de ça. Ok, alors, il y a une histoire de. Peut-être que tu aimerais bien en avoir une et que tu en auras une, tu vois. J'ai cette notion d'achat en fait. Tu vas pouvoir Ouais, je compte acheter avoir. avec eux. Elle me dit carrément, elle est en manque. Elle est en manque. Carrément. Ok. C'est vrai, en plus de plus tard que j'ai cassé ma voiture, je suis dégoûtée, j'en manque. Ah ouais, tu connais ça, mais c'est sûr. Tu vas reprendre une. Mais. Ouais. Bientôt, là. Ouais, c'est. Elle me dit. Ouais, t'aimes bien les voitures aussi avec, tu sais, les belles grosses jantes là, tu sais. On est en train de montrer. Oh, c'est bon. Oh non. On montrait ça. Et c'est ce que tu auras. Mais on ne montre pas, après, si je me trompe pas, tu sais, on ne montre pas les BM dernières années, tu vois. On montre les BM les années plus anciennes, tu vois. Ouais. Donc on y est bien. C'est cool. Ouais. Ça fait du bien. Puis Elle nous manque beaucoup alors. c'est la vraie preuve qu'elle va bien. Je sais qu'elle voulait rejoindre mon père. Et puis elle a retrouvé aussi du coup ta fille. Elle n'a jamais connu ma fille. Mais D'accord, maintenant elle la connaît très bien. bah Mais ta fille qui va s'avancer, elle a des petites choses à te dire aussi, mais on va faire personne C'est par vrai? personne. Ouais. J'ai jamais eu de nouvelles de ma fille, mon Dieu. Un carton drôle. Alors, très chaud, moi, avec tout ça. Elle se masse la tempe, elle se masse, je pense qu'elle était très fatiguée ou peut-être qu'elle avait mal la tête, tu sais, ta maman. Est-ce qu'elle fait. Vers la fin, ouais, Elle les se pousse métastases comme sont montées à la ça. tête, elle a perdu la tête. Elle me montre ça et puis elle me fait comprendre qu'il y a eu quelque chose à la tête. C'est pour ça aussi que je Ouais. commence aussi à avoir chaud. Ça me fait penser un peu à. J'ai chaud, mais j'ai froid en même temps, tu vois. Ça me fait Les penser à derniers Cassie. moments, ouais, elle a perdu la tête. Ouais.
C'est comme si j'étais en transe, ouais. Enfin, c'est très bizarre, ouais. Qui c'est qui aurait eu un cancer? Alors, soit c'est poumon ou sein. Enfin, C'est sein. maman. Ok. Et du coup, c'est poumon ou sein ou les deux? Elle a eu en premier le sein et après, avec le décès de papa, ça a été tellement choquant qu'elle est tombée malade et moins d'un an après, elle est partie, elle a suivi papa. Ok. Mais il y a eu plein de choses avec elle parce que là, tu vois, on m'envoie sur le cancer du sein, on m'envoie sur quand même des soucis respiratoires et on m'envoie sur le Ouais. cœur aussi. Elle a eu des problèmes de tension aussi, ta maman. Ouais. En hypo, sûrement. Ouais, elle dit qu'elle était très fatiguée. Mais elle a retrouvé ton papa, c'est ton papa qui est venu la chercher. Et le papa, du coup, qui est là aussi, hein. Et qui a des choses aussi à vous dire, donc il va savoir un peu Y a des après. choses à dire. Nadia, Nadine, ça donne quelque chose? C'est moi, Nadia. Génial. Bien, ben on a ces deux enfants. C'est ton garçon qui est à côté de toi? Ouais, c'est mon deuxième. Ouais. Je l'embrasse très fort. Fait toujours plaisir, moi. Elle fait mon. Elle vous aime. Là, nous aussi, on l'aime. Ah ouais. Elle dit je suis devenue votre petite fée, elle dit. Pourquoi les fées? Bon, sûrement qu'elle devait aimer les fées. Ouais. En général, on dit toujours, tu sais, je suis devenu votre petit ange, votre étoile. Non, elle, c'est votre fée. Pourquoi pas? C'est un de tes enfants qui aime bien tout ce qui est super-héros, les comics, ces choses-là. À part mon deuxième, ouais, Spider-Man, bon, comme les enfants d'orage. Oui. Ouais. Ouais. Ok. Ouais, Justement, le deuxième, donc parce qu'on m'envoie même sur. J'adore ça, moi, en plus. Attends, je suis déjà un trou. Star Wars. Ouais, j'allais dire, je perds la boule. ouais. On m'emmène aussi là-dessus, donc bon. Ah oui, ouais, donc du coup, c'est ta maman qui s'appelle Florence. C'est comme je le entends, donc oui. C'est que c'est un autre défunt qui est en train de l'appeler, mais c'est pour ça que je l'entends. Ah, c'était une pipelette. Ah ouais. Oui, je vois ça, puis elle a la tête partout, hein. Elle me parle à moi, du coup, à vous. Et puis en même temps, elle parle avec ce qui elle est. Enfin, genre, elle fait C'est plusieurs maman. choses. Elle parle de tout. Ça y Elle est. fait plusieurs choses à la fois, ouais. D'accord. Ouais, elle dit qu'elle a pas eu de regrets en fait de son vivant. Elle dit que voilà, la meilleure des choses qu'elle ait eues, c'est vous et puis ses petits-enfants. On était toujours ensemble. Ouais. Elle me montre voilà la petite famille très soudée, tu vois.
On montre bien sûr, forcément, tu vois, de la famille tout autour, mais on me la montre un peu plus loin, donc c'est pas sa priorité, tu vois. C'était vraiment vous, hein. Le cocon, elle dit. Mais elle était aussi peut-être spirituelle de son vivant, ta maman? Elle s'intéressait beaucoup à des Ouais, choses ok. de médium, tout ça. Parce qu'elle me montre, enfin, c'est l'interprétation D'ailleurs, aussi, le tu vois. rendez-vous, c'est elle qui l'avait pris pour elle, en fait. Elle voulait parler avec Ah. mon père. Et comme elle est décédée et que je savais qu'elle vous avait réglé, c'est pour ça que j'ai pris son rendez-vous. Incroyable. Bon, comme quoi l'univers fait bien les choses quand même. Mais Voilà. donc c'est elle qui ok. Ouais. C'est elle qui vous a contacté la première fois. Bah après, parce qu'il faut Et les savoir, moi par rendez-vous ont mes été moi par message, reportés. c'est pas moi que vous avez par message. C'est ma Mais les conjointe. rendez-vous ont été reportés parce que vous venez d'avoir votre bébé. Ouais, ok. Voilà. Eh ben, quelle histoire. Ça fait bizarre, ça fait tout drôle. Ouais, mais en fait, du coup, oui, je te disais ça parce que quand elle m'a montré que ton papa est venu la chercher, elle n'était pas surprise, tu vois. Généralement, quand il y a des défunts quand on montre ça, il y en a, tu vois, ils disent, qu'est-ce que je fous là, tu vois. Et elle, non, pas du tout, elle n'était pas surprise, elle était très, très heureuse, soulagée, apaisée. Il n'y a pas eu de Et c'est mon père qui est perturbation. venu la chercher. C'est ton papa, ouais. Parce que le soir qu'elle est décédée, quand j'ai regardé sur calendrier, je me suis Ouais. aperçue qu'elle est décédée à la Saint-Bruno. Et Bruno, c'est Mon papa. justement. Ok. C'est pour ça que ça m'a fait drôle. Ouais, ça fait tout drôle quand tu m'as montré ça. Je sais pas, après Bah si ouais, tu m'étonnes. c'est... Bah, forcément, de toute façon, après, sur toutes ces choses-là, tout autour des départs, etc., il y a toujours des synchronicités, des choses. Donc, oui, c'est une confirmation. Mais moi, comme je te l'ai dit, c'est la première chose que je t'ai dit, c'est ton papa qui est venu lui tendre la main. Et puis ton papa l'attendait, il s'est mis sur son 31, donc il l'attendait, voilà, en costume, il s'était très bien habillé, il s'était fait tout beau, tu vois. Et puis ça me fait vraiment penser, tu vois, il lui tendait la main, l'air de dire, je l'invite peut-être à danser, ou je l'invite, tu vois, pour se remémorer un petit peu des bons souvenirs à certaines périodes, certaines époques, tu vois. Ça m'a fait vachement penser à ça. Ce que je peux te dire aussi, tout autour de ta maman, il y a beaucoup de fleurs, voilà, donc c'est des choses qu'elle aimait. Elle adore les fleurs. Elle s'appelle Florence, mais Laurence, ça te donne quelque chose? Laurent ou Laurence? Florence, c'est elle. Oui, et Laurence. Pas Florence, mais Laurence ou Laurent. Laurent, c'est le père de mon premier garçon. D'accord. Et tu vas monter sur mon dos? Avec qui tu n'as plus de contact? Oui. C'est ça. Je vais pas te faire le geste qu'elle me fait faire. Pense que tu as compris. C'est Je la connais par cœur. le troisième doigt. Ouais. Elle pas 21, tu as rempli un Elle avait son signe. caractère. Hein. Ah ouais, Oui, grave. je vois ça. Et puis elle a l'air d'avoir. Tu vois, c'est elle donne tout, mais dès qu'on brise un petit peu sa confiance ou qu'on fait du mal à sa famille, c'est sans retour, hein, tu vois. Là, c'est vraiment une miette, hein. Tu remplaces mamie. Bon, elle me montre des petites statuettes d'anges, tu sais, donc je pense que c'est des choses qu'on a mis peut-être. Sur sa tombe, ou qu'on a, tu sais, ça me fait penser aussi à un petit hôtel qu'on aurait fait, tu sais, où on met sa photo, des petites statues, des bougies, tu vois. C'est sur mon buffet. Ouais, Tous les jours, j'ai une bougie. ouais, t'as des bougies, t'as une petite statuette d'ange, une ou deux. Juste à côté, oui. Ouais, c'est ça. L'ange qui est à côté de sa maman. Ouais, j'ai déjà regardé. Et t'as un miroir aussi, pas loin? Juste au-dessus. C'est là où on me fait le.
On me fait le schéma comme ça. Bon, là, c'est les bougies, la photo. Enfin, tu vois. Ouais, c'est ça. On y est bien. Ouais, donc en fait, le plus important pour elle, c'est que vous restiez soudés. Elle remercie aussi de ce que tu fais pour ton frère. Je lui avais promis. Elle dit, tu vois, c'est bien. Je lui avais promis. Elle avait peur de partir et de. Elle avait Elle peur de avait peur partir pour. pour vous, en fait, hein. Pas elle avait peur de Ouais. partir pour elle, parce qu'elle, ça passait bien après, tu vois. Ouais. C'est ta vie et ta fille là qui s'avance. Alors. Oh mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il va dire? Mais je ne savais pas qu'on pouvait rentrer comme ça en contact avec un bébé. Ah si, même j'ai déjà fait des contacts défunts, des très beaux contacts défunts avec des bébés avortés. Pour te dire. Et à partir du moment où t'as l'ovulation, enfin t'as les trucs qui se font, l'incarnation est faite. Tu D'accord. vois? Et après c'est un choix d'incarnation, faisait des choses qu'on a plus ou moins, qu'on va plus ou moins traverser dans d'autres vies. Alors. Bon là elle se présente du coup un peu plus grande, hein. Elle se présente de visu, je lui donne 4-5 ans. C'est là ce que l'aurait Ouais bon bah voilà. Elle se présente comme ça, donc c'est pour montrer aussi, en général quand ils font ça, c'est pour montrer aussi qu'ils évoluent bien, tu vois, de l'autre côté. eu. Elle dit, tu sais maman. Je vais pas me mettre à chialer aussi, moi. Alors, en gros, de ce qu'elle dit, c'est qu'elle ne vous a jamais lâché. Et c'est qu'en fait, elle voit, malgré du coup toutes ces années qui sont passées, que tu penses toujours à elle. Ce qui est normal. Mais. Tu vois que le deuil n'est pas fait complètement. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est encore vachement bien ancré, encore vachement bien présent en toi. Il y a vraiment une grosse forme un petit peu de culpabilité, tu vois? Où on se sent coupable un petit peu de son départ. J'ai envie de dire, toutes les mamans auraient réagi pareil, mais chez toi, c'est bien ancré. Alors, ensuite. Elle dit qu'elle ne veut pas ça, elle ne veut pas que tu te sentes coupable et que tu culpabilises de son départ. Elle dit que ça devait se passer comme ça. Elle dit que tu ne pouvais rien faire de plus. Parce que du coup, c'était juste après l'accouchement qu'elle est Non, partie? elle est décédée d'aller avoir 3 mois. Oui, donc juste après, oui, ok. C'était, je Ouais, veux ouais, dire, elle n'avait ouais. pas un an, quoi. Non. Mais il y a peut-être eu déjà des complications, soit à la grossesse ou à l'accouchement, ou elle a eu des problèmes de naissance. Ben en fait, la grossesse s'est super bien passée, l'accouchement pareil. Mais au niveau du premier bain, la maternité, elle est devenue toute bleue, donc ils ont dû aller l'aspirer. Ça a déjà eu un signe. Et C'est après, bah, ça. tout s'est toujours bien passé, mais après, elle est partie. Mais elle me montre qu'il y a déjà eu, en fait, si tu veux, c'est pour ça que j'avais cette sensation juste après l'accouchement, c'est qu'il y a quelque chose déjà qui a démarré là. Et je pense que c'est de cette histoire de premier bain. Ouais, elle me montre, c'est bizarre, elle me montre comme si le sang ne circulait plus. Une artère qui se bouge, j'en sais rien, ou un truc au cerveau qui se. Je sais pas. Mais il y a un truc qui. Ça me fait. Après, c'est quelque chose de soudain aussi. C'est pas. C'est quoi? C'est la mort subite du nourrisson? C'est pas quelque chose comme ça, c'est ça? Hein? Mais Ouais, c'est y ça. a. Elle me montre comme s'il y avait une veine ou un truc, tu vois, qui se bouche en fait. Donc c'est.
Elle dit c'est pas de ta faute, encore une fois, tu Elle dit, bon, bien sûr, c'est imagé, mais elle dit qu'elle grandit bien et que mamie s'occupe bien d'elle. Ah, bah alors, il n'y a pas de doute. Oh, bon. Non. Ah, bah là, ta maman, elle est aux anges. Hein. Ah, bah je me doute, elle a Elle toujours voulu est avoir une heureuse petite comme tout. fille. Ouais, elle est heureuse comme tout. Donc, en tout cas, tu sais que ta fille veille énormément sur toi, sur vous et sur ses frères. Elle avait les cheveux plutôt foncés. Bah, oui, si, tu Ouais. dois savoir. Parce qu'elle avait des cheveux déjà à la naissance. Ouais. Ça me montre dans cette histoire de premier bain, là, justement, je la vois avec des cheveux. Ouais, donc c'est bien. Alors, bah écoute, elle aurait vachement ressemblé à ta maman. Et à toi, du coup, par la même occasion, parce que vous ressemblez quand même pas mal. Ouais. Mais tu ressembles. En fait, toi, t'as vraiment le mélange de ta maman et de ton papa. C'est le 50-50. Ouais, c'est dingue. Ouais, parce que quand je regarde ton père, je te vois toi. Je vois aussi quand même aussi ton frère. Et quand je regarde ta maman, je te vois toi aussi. Donc c'est vraiment le mélange des deux. C'est fou. Alors. Oui, donc elle va bien. C'est bien. T'as des questions à lui poser à ta fille? On profite. Je sais, là, comme ça, je sais pas. Ouais. Bon, après, elle reste là. Si t'en as une qui te vient, Ouais. je pense qu'on arrivera à trouver une réponse. Allez, on continue. Le papa qui s'avance. À tour de rôle, c'est Attention. bien. Qu'ils soient bien organisés. Alors. Bon, lui, il s'avance, il se tient droit et les mains dans le dos. Hein. Il faisait semblant d'être Oui, autoritaire. parce qu'en fait il s'avance, il fait comme ça, il prend une grande inspiration, Ouais. mais tu vois, quand il fait ça, il rigole de sa connerie en fait, tu Ouais, mais il rigolait toujours de ses conneries. vois. Mais Il savait pas être sérieux. ça m'étonne pas. Mais. Bah, il discute aussi. Ouais. Pour ça. Bah oui, c'est le monsieur que tu vois? Elle regarde en l'air comme ça, elle est fixée. Ouais. Allez. C'est fou. Non. Elle rigole aussi. Non, bah ça va. Allez, qu'est-ce que tu veux dire? Bruno, du coup. Toute rouge, du coup, force de colorier. Ah ouais, moi aussi. Il était fin de corpulence. Il était pas gros, il était pas mince, il était normal, il était bien. Il était fin, quoi. Enfin, il était. Oui. Ouais. C'était pas quelqu'un de costaud. Et toujours dans les 74 kilos. Oui. Ta maman, elle dit que. C'est ta maman là qui reprend le relais. Hein. On va voir. T'as Hein. pas beaucoup. Ouais, c'est ça, elle parle pour ton père. De ce qu'elle dit, elle veut que tu restes. Que, non, que tu aies quelqu'un de forte, qu'elle est fière de toi du coup pour ça. C'est ta maman, c'est toi qui as déjà subi, tu sais, un burn-out, dépression.
prends des, ça fait bah, depuis à peu près le décès de ma fille, je prends des anti, je suis sous antidépresseur. Ok, donc c'est ça. Et elle, ouais, tu tiens le choc, mais tu es quand même dans le creux de la vague et tu tiens voilà, pour ta famille, pour tout ça. Et elle t'applaudit pour ça. Ouais, ils t'applaudissent tous en même temps. On te dit, continue à être forte. Ouais, et il faut relever la tête. Elle dit, la vie continue. Après, j'étais tous les jours avec ma mère. Depuis qu'elle est partie, moi, je bouge plus de la maison, à part pour l'école et les courses, quoi. J'ai plus personne. Relève la tête, la vie continue. Donc, c'est qu'il faut que tu te bouges le derrière. Ouais. Mais ça, c'est ton papa hein, qui dit ça. Il dit, allez, on se remue, on se remue, on se remue. Hop, 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 hop. Mais c'est quoi, il a fait le service à l'armée, ton papa? Il a fait l'armée, oui. Ouais, c'est ça. Il fait un peu le commandant, là. Le colonel, il va se calmer ou? Il dit, tu vas voir, toi. J'adore. Il y a un Jean ou Jean quelque chose, Jean-Michel, Jean-Marc, Jean-Marie. Jean-Michel, ouais, il y a un Jean-Michel de la famille de mon père Et qui est Michel décédé. aussi, tout court. Michel, c'est son frère, et lui, il est encore là. Le Michel est encore là. Et Jean-Michel, c'est... C'était quelqu'un de la famille, mais D'accord. plus éloigné, quoi. Oui, mais ça... Qui est parti, du coup, de Jean-Michel? Ouais, il y a déjà longtemps maintenant. Ouais, donc ceux qui se sont plus ou moins revus. Ça va me raconter Oui, ben on sait que t'es là, c'est bon, on sait que t'es là. Il parle du coup à son fils, il parle à David, le papa, et il dit, il fait comme ça, il dit, t'es l'homme de la famille maintenant. C'est quoi, tu as fait du sport et tu as arrêté? Bah oui, du coup, j'avais fait du karaté un certain moment, mais j'ai vite arrêté. Il y a du sport où il faudrait, en gros, il faudrait s'y remettre. Voilà. Ouais. Pas forcément la même chose, mais il faudrait s'y remettre. Parce qu'il faudra s'y remettre, ouais. Ouais, c'est ce qui transmet. Attends, je vais lui donner ça. Mais ils sont gentils, toi. Ils sont gentils, ceux qui sont là. Oui. Voilà. Bon, là, d'un seul coup, alors, tu vois que là, dès que je me suis reconnecté, je vois ta maman allongée sur un transat, lunettes de soleil, cocktail à la main. En détente. Elle en détente. Elle a bien raison. Bon, qu'est-ce qu'il y a? T'es fatigué, toi. Pardon. Non, il n'y a pas de Y a souci. pas de problème. Mais ouais, c'est des grosses lunettes de soleil hein, qu'elle me montre. Hein. Un chat, des chats même, mais là un en particulier, un chat beige. Alors, soit c'est un gros chat, ou soit il mange bien la cantine. J'ai un Maine Coon qui est couleur beige. Ah, du coup, c'est le gros chat. Génial. Ouais. Donc, là, c'est ton chat actuel. Ok. Ouais. Et j'ai un chat aussi de l'autre côté. Bon, la plus petite, c'est pas du tout le même gabarit. Ouais. Couleur plus foncée. Si je me trompe pas. Ouais. C'est ça. Un peu. C'est quoi, noir et blanc ou tigré? Bah allez, enfin quand elle était plus jeune, elle était plus couleur claire et là en vieillissant, elle a foncé un petit peu plus. Elle fait genre siamois, couleur siamois. Ah, oui, ok. Oui, ça va, je prends. Mais beaucoup plus petite? Ah, il y a une grosse différence de gabarit. Ouais. Ah oui. C'est ça. Ok. Ouais.
que je la regarde. Mais je À quel âge votre petite? On en parlera en off. Je préfère. Ah bah oui, en vidéo. Je peux pas divulguer les informations comme ça. Pardon. Pas de problème. Moi naturellement. Non mais je comptais en parler, mais je pense que je ferai un pour expliquer un peu le parcours, mais je ferai une vidéo spécifique pour ça, mais moi je te le dirai après. Tu m'y feras penser. Ensuite. Ah oui, j'allais dire, je t'ai vu fumer, mais oui, oui, t'es en train de fumer. Ouais, tu t'es tellement en stress. Bah ouais. Et ta maman aussi, elle fumait? Oui, elle fumait beaucoup. Ah ouais. Même malade, elle n'a pas arrêté de fumer. Tu montres un souvenir justement où tu fumes, et elle, elle prend la même position que toi, comme ça. Ah ouais, elle met bien sa cigarette. Hein. Vers la fin, non, elle le fumait. Elle montre, tu vois, la cigarette, puis elle se frotte les yeux comme ça. Ah ouais? Combien de fois elle le faisait? Voilà, c'est la photo que tu m'as envoyée. C'est un détail aussi que je peux te donner. Là, elle se présente avec les cheveux un peu plus longs et voilà. C'est les cheveux un peu plus longs. Qui descendent un peu plus bas, tu vois, vers là. T'as des questions à lui poser, à ta maman? Bah, j'aimerais savoir si maintenant elle sait la vérité pour papa. Parce que nous, on se pose toujours la question. Par rapport à son départ? Ouais. D'accord. Je vais essayer de voir ça. Alors, si j'ai bien entendu, j'ai entendu, parce que c'est passé vite, hein. C'est pas volontaire. D'accord. Ça pourrait parler? Bah, on s'est toujours posé la question si on lui avait fait du mal ou pas. J'ai pas plus d'infos. Pourquoi? C'était quoi? C'était un accident? C'était quoi? Bah, on l'a retrouvé deux jours après dans sa maison. Et. Ok, donc je comprends. On a bien vu que c'était pas normal. Ouais, bah, ouais. Après, de ce qu'il dit, il dit que c'est. De ce que j'ai compris, de ce que j'ai entendu, c'est pas volontaire. Donc il n'y a pas eu de suicide, c'est pas donné la mort, il n'y a pas eu de choses comme ça. Non, je sais que ça vient pas de lui. Après, j'ai pas l'impression non plus. Qui est quelqu'un d'extérieur qui lui ait fait quelque chose non plus. J'ai plus l'impression parce que sinon je l'aurais ressenti directement, tu vois. Bon, après je suis pas infaillible non plus, mais moi j'aurais plus dit une mort naturelle en fait, tu vois, arrêt cardiaque, quelque chose comme ça. C'est ce qu'ils disaient aussi les enquêteurs. J'aurais plus dit ça. Parce qu'on la retrouverait vraiment avec des hématomes. Ouais. Mais c'est peut-être dû à la chute. Parce que je le vois debout. Il était cassé dans sa maison. Là, j'ai une info où je le vois debout et il tombe. Donc c'est bien ça. Après. Même maman, elle sait toujours poser la question. C'est pour ça qu'elle voulait vous contacter. Ah. Parce que il n'y a personne qui paraît, c'est ça qui me.
S'il a même eu quelque chose à la mâchoire ou à une dent? Il y avait des hématomes partout. Ouais. On aurait dit quelqu'un qui s'avait fait frapper. Mais j'ai pas. De ce qu'on me montre en tout cas. Non. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a une mort naturelle, mais il y a un truc qui me chagrine. Et quand il y a un truc qui me chagrine, c'est qu'il y a quelque chose d'autre. Mais pour moi, c'est un arrêt cardiaque, c'est pas quelqu'un qui l'a zazziné, tu vois. Par contre, si je comprends bien, parce que c'est mon interprétation de ce qu'on me montre, ça me ferait penser à un cambriolage. Quelqu'un qui rentre par effraction, ou tu vois. Parce que les voisins, ils avaient la clé. Hein. Ouais. Et les gens d'au-dessus, ils me disent qu'il y a eu du bordel chez mon père jusqu'à 2h30 du matin. Et quand je questionne les gens qui ont été chez mon père, il n'y en a pas un qui dit la même version, en fait. Ouais. Ouais. C'est un gros point d'interrogation. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui. Après, si c'est vraiment mon interprétation, voilà. Mais pour moi, à 99%, c'est une mort naturelle. Parce qu'il me montrait bien qu'il était debout, il n'y a personne autour, et il fait pour moi un arrêt Est tombé. cardio-respiratoire, je ne sais plus comment on appelle ça, mais je le vois un peu, tu vois, un peu surpris, et puis il tombe. Mais c'est comme si c'était le retour de quelque chose, soit il avait fait une soirée pas longtemps avant, et... J'étais en soirée. Ah! Mais ça Il se y trouve, avait une soirée c'est lors. l'alcool, il fumait aussi ton papa, tu vois, il peut y avoir plein de choses comme ça qui ont fait que... il y a eu ça. Mais... Pas de personne qui lui a fait du mal volontairement, tu vois. D'accord. J'ai quand même une dispute. J'ai quand même une dispute avec un autre monsieur cette soirée-là. Donc c'est peut-être pour ça les hématomes, ça se trouve, c'en est venu aux mains, mais ça, c'est pas ça qui a fait Et puis qu'il est mon parti. père, comme il avait des gros problèmes de santé, il avait déjà fait 3 AVC. Donc c'est ça. Je pense qu'il a refait un AVC ou un infarctus. Et je te dis à Moi, je pense, 99%. moi, pour moi, je pensais qu'on lui avait mis des coups et qu'il était mort, que ça avait provoqué ça, en fait. Bah, en fait, à mon avis, ça n'est venu aux mains. Après, c'est passé. Hein. Moi, de ce que j'arrive un petit peu à comprendre, c'est qu'il y a eu un laps de temps. C'est pas suite au coup, il est parti. Il y a eu les coups, la soirée est passée et tout, mais c'est l'alcool qui est monté un petit peu au cerveau, enfin, tu vois, avec tout ça. Et puis, il a refait pour moi un AVC, un infarctus, un truc. D'accord. Et voilà, mais honnêtement, je suis à 99% pour pas affirmer, parce qu'on n'affirme jamais les choses en médiumnité à 100%. Mais bon, en tout cas, c'est pas quelqu'un qui l'a tué directement ou tu vois, ou volontairement. Mais je me doutais qu'on l'avait frappé. Et puis c'est pour ça Quand j'ai aussi, vu c'est pas les coups, volontaire. Tu vois, je pense quand j'ai que. vu les coups, c'était un homme qui s'est fait frapper, ça. Mais il y a eu une embrouille en fait pendant la soirée. Ouais. Mais ils étaient quoi? 8, 8, 10 dans la soirée? Je sais même pas. Ouais, bah oui. Je D'accord. sais qu'il y avait déjà 2 hommes, ça c'est sûr et certain que Hmm? je connais. 2 hommes et une femme. Et une femme, mais après je sais pas. D'accord. 2 hommes et une femme, ça fait. Ouais, ça fait 4. Ouais, j'aurais dit peut-être un petit peu plus. 8, 10, j'ai peut-être vu gros, mais. Enfin bon, c'est une des détails. D'accord. En tout cas, voilà. Plus ou moins de réponses. Mais c'est pas en tout cas c'est pas quelqu'un qui l'a tué encore une fois. Le papa qui dit tu rigoles ou quoi? C'est ça son genre de parler. Tu Elle rigoles ou quoi? rigole Mais oui, voilà. Merci. Il dit que c'est sa santé qui lui a joué des tours. D'accord. Donc quelque Bah, chose ça qui nous a. rassure. Ouais, mais il m'a fait rire. Je m'attendais pas du tout à ça. Tu rigoles ou quoi?
Ouais. Des questions à leur poser, plus très bavard. Bon, après, ils ont déjà transmis pas mal de choses, mais. Ils sont réfléchis un peu. Au On sent papa, des à la perdus, on sait maman. plus. Ouais. Ouais. Bah, est-ce que je lui manque énormément? Non, je pense que oui, Bah, ça. ah ouais, non, ça fait c'est un bon même oui, je pas en pense. fait, ils ressentent pas le même manque que nous, tu vois, parce que eux nous voient. Tu vois? Ouais, c'est Le vrai. seul Alors que manque nous, qu'ils on peuvent comprend tout. ressentir, encore à la limite, bon, surtout que c'était pas récent, c'est le manque du contact physique, tu vois. Comme ils Ouais. sont encore un peu rattachés au matériel, à la terre, à ce côté un peu physique, c'est ce qui leur manque. Mais après, comme ils sont constamment en train de veiller sur vous, c'est pas le même manque. Ah, j'espère qu'ils sont là auprès de nous. Ouais. Bon, je pense qu'on a eu pas mal de confirmations aujourd'hui, va. Bah. Ouais, On a eu ah oui, beau ça c'est de, on a sûr. eu de belles informations, c'est cool. Hein. Ouais, puis elle vient souvent te caresser les cheveux, hein. Surtout toi, Nadia. Tu vois? Ah ouais, ma Donc mère, tu feras c'est visionnelle gaffe, avec elle. tu sentiras soit, tu sais, comme des toiles d'araignée dans les cheveux, soit tu sentiras carrément la caresse, ça peut arriver, ou alors des frissons au niveau de la tête, ou tu vois, tu sentiras des trucs au niveau de tes cheveux, parce qu'elle vient souvent caresser la joue, les cheveux, elle est assez tendre avec toi, t'es sa fichérie, hein. Ah, moi, c'est ma mère. C'est ça, chérie. Ah, c'est sûr. Elle fait, c'est ma chérie, c'est ma chérie. Je Ouais, elle me montre la complicité que vous aviez toutes les Ouais. deux. Genre, elle me dit que vous faisiez tout ensemble, le shopping, tu vois, toutes ces choses-là. En balade, elle dit. Ouais. Elle a retrouvé sa maman et son beau-père. Attends, il y a un truc C'est un son peu papa. flippant. Le transat, tu sais que c'est un transat qui se tourne. Il y a ma fille dessus. En fait, le transat, je l'ai mis vers moi pour justement qu'elle me regarde. Et là, quand je viens de re-regarder, bah, en fait, il était tourné carrément de l'autre côté. Mais c'est impossible à ce qu'il se tourne tout seul, tu vois. C'est forcément. Ok. Ils t'ont fait tourner en rond? Je Je rigole, bon, elle a pas l'air perturbée. Incroyable, mais je suis. Ouais. Ah non, c'est pas moi qui l'ai mis comme ça c'est sûr. Bon, bon. Des questions qui sont venues. Qui vous sont venues. Moi, je voulais savoir si elle a retrouvé sa maman et son papa, ma mère. Bah, sa maman, oui. Et son papa. Il est parti il y a longtemps, son papa? Oh oui, elle était petite, elle avait Donc c'est ça. 6-7 ans. Alors, oui, ils se sont vus. Après, ils ne se sont pas retrouvés de la même façon parce que c'est pas là du tout la même évolution. Mais oui. Ouais. Très. Elle me montre qu'il est très pudique, très droit, très. Tu vois? Ah ouais, son père, oui. Ouais, il décroche pas un mot en fait. Hein. Parce que là, je le vois apparaître, mais au loin, et c'est un i. Tu vois, il est tout Ouais. droit, il ne parle pas. Ouais. Ça ne rigole pas. Ouais. Bon, après, tu sais, à l'époque, en général. Ouais. Quoique, bon, après. Elle dit que c'était un papa dur, mais qu'elle n'a pas de mauvais souvenirs avec son papa. Ah ouais. Donc tu vois, c'est bien. Ouais. T'as une baignoire chez toi? Ouais. Ça me montre des boules de bain en fait. Et de ce que je comprends, en gros, va te détendre en prenant un bain. Tu vois? Avec de la mousse, ça sent bon, tu vois.
Ça m'étonne qu'elle parle pas de son chien. Ouais. Son chien. Ouais, elle adorait son chien. Bah, après j'ai envie de te dire, tu veux qu'elle dise quoi, hein? Le chien ne comprendra pas trop. Mais c'est quelqu'un qui l'a récupéré, le chien là? Ouais. Elle remercie en fait tout simplement qu'on s'occupe de ce chien. Non, mais ils s'en occupent bien. Ah ouais. Il a les oreilles. Alors si je me. Parce qu'on montre un chien. Comment il va y avoir si j'ai la race ou pas. Je vais regarder sur internet. Il a les oreilles qui tombent. Ouais, c'est ça. Petit chien avec les oreilles qui tombent, c'est ça? Ouais, c'est ça. Comment c'est la race là, je sais plus. C'est pas les chiens noirs, bruns, blancs là? Des noirs et blancs, c'est un cocker. Ah oui, cocker, merci. Donc c'est ça en fait, il n'y a rien de plus à dire en fait. D'accord. Mais on s'en occupe et c'est principal en fait, tu vois, c'est merci pour ça. Bah, elle lève une coupe de champagne. D'accord. Oh, bon, ça va. C'est la fête. Elle fait soirée. Y a une bonne nouvelle, il y a un truc. C'est comme si il y a un nouveau départ pour toi. On va changer de vie, voilà ce qu'on me dit. Et je pense que la coupe de champagne, en général, quand on montre des coupes de champagne, bon, peut-être aussi des choses qu'elle aimait, mais en général, coupe de champagne, tu vois, c'est on fête quelque chose. Ah bah ouais, là, elle doit être contente. Ah oui. Oh, oui. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Pourquoi elle doit être contente de quoi? T'as fait quoi comme changement? Bah, ça fait 2 jours que je suis plus Logement? avec mon compagnon. Ah, Non, du tout. ok. Ça fait 2 jours que je suis plus avec mon compagnon et elle l'aimait pas. D'accord. Ok. Donc, Voilà. nouvelle vie et tout, ça commence déjà par là. Ouais. Mais nouvelle vie signifie aussi changement de lieu de vie. Hein. Après, ils ont plus la notion de temps, ça veut pas dire que tu vas déménager demain. Hein. Mais je vois pas ça si loin que ça. D'accord. D'accord. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on monte plus? Ouais. C'est un appartement là? Non, je suis en maison. Elle fait combien de mètres carrés? C'est con hein, comme question, mais elle fait combien de mètres carrés? 60, 70 mètres. Ouais, donc la prochaine fera 90 à peu près. D'accord. T'es en Bon, ça va, ce location? sera plus loin. Oui. Ouais. Et nous? Et où? Elle t'enverra quelqu'un sur le plan sentimental. D'accord. Donc là, elle laisse un petit peu le temps pour que tu puisses te remettre un petit peu toutes ces émotions et que tu puisses un petit peu profiter seule. Et elle me fait rire. Et après, quand ça sera le moment, bien sûr, y a une rencontre qui se fera et c'est ta maman qui te l'enverra. D'accord. Si elle dit C'est tout qu'elle son te. genre. Parce qu'elle dit qu'elle te connaît mieux que personne et elle sera t'aiguiller. Ça, c'est maman. Ça, Ouais, c'est c'est tout parti tout maman. cracher. Non, c'est bien quand ils arrivent à bien se faire reconnaître comme ça, c'est cool. Oh là, je sais pas à quoi ça correspond, mais on est en train de me montrer un moulin. J'ai l'impression que c'est vieux. Tu sais, comme si quelqu'un de la famille avait un moulin ou tu vois. Ça peut penser à ça. Et ça a l'air vieux. Bah, je sais que son grand-père, dans le temps, il était boulanger, il tenait un moulin. Ah, d'accord. Bon bah. Donc Ça, mais... le grand-père qu'elle a vu aussi du coup. Ok. Ouais, bon, ils sont sur le point de repartir. Vous avez déjà bien tenu, c'est bien. Oui, Niveau,
Il vous aime, il vous embrasse, etc. etc. Puis elle remet le moum. Mais t'es pas honnête. Moi, ce qui me fait rire aussi, c'est que c'est une très bonne spectatrice, ta maman. C'est que, tu vois, quand nous on parle, on rigole entre nous, bah, elle rigole en même temps, tu vois. Ah ouais, j'ai toujours. C'est ton papa qui se met à siffler. Ah, il Oh ouais, sifflait tout le temps. oh, yo, toujours. Et il avait toujours son habitude, c'est toujours Il se met siffler, à toujours siffler et siffler. puis. Ouais. Ça, il toujours chanter. Ah ouais, non, mais. Surtout ses musiques, là. Il refait, tu vas voir, toi. Oh, je sens qu'il va me ça, il va retirer mes pieds. Je le sens. J'adore. Il dit, tu crois que c'est mieux, toi, que tes musiques? Je vais prendre un coup de canne. Aïe. Ouais, il se régale, il fait. Tu vas t'en prendre une. Aïe. Incroyable. Ah non. Ah, qu'est-ce qui me manque? Allez, il dit, allez, pas de bêtises, on vous surveille. Non, ça reste que bon. Allez, ils sont en train de. Ta fille qui est avec un cheval, enfin c'est. Elle aurait aimé le cheval, Ah je ouais. trouve. Ouais. Oui, tu dois avoir faim, toi. Parce qu'elle est de nature très sage à la base. Effectivement, là, il s'est pas arrêté de siffler depuis que je l'ai dit. Ah ouais, il est tout le temps comme ça. Toujours en train de faire de la musique avec ses voix, t'as pensé où? Ouais, puis tu sais, il est en train de bricoler un truc et puis il siffle en même temps, tu vois. Ah ouais, Ah c'est ouais. ça, ouais, c'est ça. C'est tout son. C'est tout papa. Il était toujours en train de bricoler. Ça y est. Même s'il a une problème. Tout le monde est parti juste avant de partir. Le papa, il a fait ciao. Ciao. Incroyable. Allez, je coupe la vidéo.